Oh, 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 God, I got. Yep tout le monde, c'est Gotaga, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Sunday Log. J'ai une coupe au miel, la petite coupe du réveil comme on aime bien l'appeler, hein. J'ai jamais eu les cheveux aussi longs, je crois, je sais pas si vous arrivez bien à voir, enfin bref, c'est vraiment n'importe quoi, bon ça boucle et tout, mais au moins avec ce type de coupe de cheveux, je peux faire ce que je veux, je peux mettre les cheveux en mode Yako, je peux mettre les cheveux en mode Justin Bieber, je peux mettre les cheveux en mode ce que tu veux, tu vois. Bon j'avoue que ça fait un peu dégueulasse là pour le coup, c'est pour ça que j'aime bien la camoufler en général derrière un petit bonnet ou derrière, aléatoire. Oh, quoique Riot Domination, c'est pas mal aussi. Riot Domination ou aléatoire? Bon, allez, on va faire un aléatoire. J'aimerais bien faire le looping s'il y a. Ça serait cool. Donc, ouais, en général, c'est pour ça que je la camoufle derrière une petite casquette ou une petite. Ou un petit bonnet d'intérieur, comme on aime bien dire. Hein, parce qu'après, je reçois des commentaires. Ouh, un bonnet à l'intérieur. Oh là là. Bref, on s'en fout. On s'en fout, j'ai récupéré mon stuff il y a quelques jours, comme vous pouvez voir, mon petit MMX, etc. Sauf que du coup, j'avais fait des réglages pour l'autre casque, le Siberia que j'utilisais justement pour le Sunday Log. Et j'arrive pas à retourner mes réglages que j'avais fait avant. Et du coup, à ce qui paraît, mon son est trop fort. D'ailleurs, je vais encore décaler mon micro. Parce que ce qui paraît, vous m'entendez respirer, etc. Et c'est pas forcément le must. Beaucoup s'en plaignent dans mes lives et ça me saoule un peu. Le son est vraiment au minimum en plus sur XSplit. Et c'est ça qui m'énerve encore plus, justement. Mais bon, je vais refaire des petits réglages pour les Road to Grandmaster parce que la ligue a été. Oh, mais du MME, mais ils sont sérieux? Putain. Ah, ma manette, ça déconnecte beaucoup aussi, c'est assez relou. Pour que voilà, mes épisodes de Road to Grandmaster se passent bien parce que la ligue a commencé hier. Ouais, hier, sauf que pour l'instant, il y a encore quelques petits bugs. C'est-à-dire que des fois, tu lances avec tes potes et ça vous déconnecte tous. Tu peux lancer que tout seul, etc. Et faire la ligue tout seul, surtout que maintenant, dans cette ligue-là, tu peux lancer à 4. Donc forcément, si t'es tout seul et tu lances contre 4 mecs qui jouent ensemble, qui se communiquent, etc. C'est la crise, totalement, ça sert strictement à rien. Bon, voilà, moi, je vais faire ma ligue, ma série bientôt, donc comme ça je pourrais inviter 3 abonnés, du coup on jouera à 4, j'espère que vous serez forts les gars, hein, parce que voilà, faut monter Grandmaster. Bon, je pense que ça va être assez dur parce que tout le monde squatte, tout le monde grind à fond la ligue, c'est la première saison donc forcément ça grind de ouf, mais bon vous allez voir, ça, vous allez vous faire mitrailler dans pas longtemps, je crois que je vais même en tourner un, apprendre un tournoi, de cas sur Game Battle. Mais je pense que dans la nuit ou demain dans la journée, je tournerai le premier épisode de Road to Grandmaster. Et puis voilà, et en plus j'en vais faire pas mal, vous allez voir, donc ça va être plutôt cool. Donc je voulais vous parler d'un truc aussi, c'est le code champ qui a été annoncé. Donc il est un peu similaire à celui de l'année dernière, à quelques différences près. Donc, d'abord il y a des qualifications online, ça je comprendrais pas, on est en 2015 et ils font toujours des qualifications online, alors qu'il y a plein de problèmes de DDoS, il y a plein de problèmes de... Allez, dégage. Il y a plein de problèmes de DDoS, il y en a qui ont des plus grosses connexions que d'autres. Enfin, je vois pas comment tu peux faire des qualifications online. Enfin, c'est vraiment pas, surtout c'est un jeu comme Call of Duty, c'est vraiment... What? Ah, c'est un pont. C'est vraiment pas représentatif et c'est dommage qu'ils en fassent encore, parce que je pense qu'on pourrait faire une petite LAN ou un truc comme ça. Mais what? Je me fais déchirer là, les potes. Ça serait mieux, donc au début, j'ai dit il y a le tournoi online, donc avec toutes les équipes françaises, et les 6 premières se qualifient. Les 6 premières équipes françaises se qualifient pour le tournoi à Londres, Definity, comme l'année dernière justement. Sauf qu'à une différence près, l'année dernière, il y avait 4 équipes françaises et 2 se jouaient l'un contre l'autre. Enfin, 4 se jouaient et c'était des matchs l'une contre l'autre, et celui qui gagnait son match était qualifié ensuite pour le code champ. Sauf que cette année, les potes. Mais non. Ok. Mais t'es sérieux? Il me brain sans faire exprès le mec, c'est-à-dire qu'il est tombé sans faire exprès. Non, je bougerai pas, m'en bats les couilles. Bah tu me défonces quand même, putain. Sauf que cette année c'est différent dans le sens où c'est même ces 6 équipes françaises qualifiées vont jouer mais dans un tournoi européen. C'est-à-dire que tout le monde peut se jouer. C'est-à-dire si t'as un mauvais seed, tu peux jouer TCM ou Epsilon directement. Donc en tout, du coup, les 6 équipes françaises peuvent se qualifier, tout comme aucune d'elles ne peuvent se qualifier aussi si tout le monde perd. Donc voilà, c'est un peu le délire cette année. Donc en espérant que le plus d'équipes françaises arrivent à se qualifier, ce serait le top. Comme ça, on mettrait le plus de chances possible pour les Français pour se qualifier et faire un bon top. Donc voilà, toujours à Los Angeles, le code champ.
Limite d'âge 18 ans, donc du coup il y a pas mal de joueurs qui ne peuvent pas le faire et c'est assez dommage. Donc des joueurs qui ont 18 ans avant le code champ, comme Melo par exemple, j'ai envie de faire une petite dédicace à Melo parce que il se fait un peu douiller dans l'histoire parce que il a 18 ans le 18 janvier. Non, je sais plus exactement quand, mais en gros il l'a avant le code champ, sauf que faut avoir 18 ans avant le 17 janvier, alors que pourtant il n'y a pas lieu d'être. Les premières qualifications online, comme je disais, c'est le 31 janvier, donc il aura 18 ans d'ici là, mais non. Vu qu'il n'a pas 18 ans avant le 17 janvier, il peut pas faire les qualifications. C'est n'importe quoi, je trouve. Et je suis un peu dégoûté pour lui parce que là, pour l'instant, il fait une saison énorme avec Millennium. Et il a jamais fait de coach, hein, parce qu'il n'avait pas l'âge. Et là, c'était sa chance et il peut pas le faire. Et d'un coup, un peu le seum pour lui. Et du coup, je vais lui faire un petit bisou, hein, peut-être, un petit duo sur League of Legends. Donc après, forcément, il n'y a pas de cliquer de lui. Hein, et par exemple, il y a mon petit frère, etc., qui a largement le niveau pour le faire et qui peut pas, etc. Moi, pour le coup, je peux dire que je sais ce que ça fait parce que je me suis fait douiller la première fois. Mais bon. Bref, je vais pas rester trop sur ça non plus, c'est pas le sujet. Mais putain, j'arrête de tirer. 12-8, c'est pas top, désolé les potes. Je fais pas un truc de ouf. Et du coup, je parle beaucoup, hein. C'est l'avantage. Toujours se dire ça au cas où. Alors, j'ai repeint le mur. Ah, j'aurais été en painful, vous aurez vu franchement une nouvelle. Un nouveau mur, simplement. J'ai tout louché. Attendez, wait for it. Pourquoi t'es pas mort toi? C'est une blague? Putain, on a gagné une médaille de triple élimination, ça c'est cool ça. Mais putain, mais on n'a pas la même balle hein. Après j'ai pas tout dessus hein, forcément j'ai pas poignard go, donc je vise moins vite que les mecs et tout, c'est pas une balle de qualité. Mais bon, normalement je devrais quand même faire un meilleur score que ça. Mais je me respawn, bordel! Alors là, avec mon micro et vu comment j'ai crié, je suis désolé pour vos oreilles, ça doit pas être fameux. Bref, sinon nous on est toujours en thèse. Je voulais revenir sur un truc, c'est que vous avez demandé de me poser des questions par rapport à Easter Tome, etc. Si vous en avez, si j'avais pas bien détaillé certaines choses. Et mais au final, j'ai eu aucune question. Vous pouvez aller voir dans la vidéo, dans les commentaires de ma vidéo, j'ai vraiment eu aucune question. J'ai plus eu des faits, de faits que j'appelle des faits Pierre Ménès. Donc je vais m'expliquer sur ça. Les faits Pierre Ménès, pour moi, qu'est-ce que c'est? C'est c'est vrai que c'était du MMA. Moi j'étais en train de jouer, en train de courir partout. Qu'est-ce que c'est l'effet Pierre Ménès? C'est quand quelqu'un essaie de. Enfin, te dit quoi faire, sauf que lui il a pas les mêmes cartes en main que toi. C'est-à-dire que lui il te suit par rapport à tes vidéos, etc. Et il va te dire des noms parce qu'ils sont fun, parce qu'il les aime bien, parce qu'ils ont beaucoup d'abonnés, parce que machin. Donc forcément. Je vais pas parler de ceux qui me parlent des youtubeurs comme Monsieur V12, etc. etc. Je vais plutôt parler de ceux qui me disent par exemple des Lohan qui a arrêté la compétition, qui est devenu un streamer SWC. Un streamer SWC, mais qu'est-ce que tu racontes? Un streamer avec les Pia. Il y a. Bah, Agony, il est beaucoup sorti aussi. Il y a Diablo The Tank qui est aussi beaucoup sorti. Il y a Kidoti Azox. Il y a Zyler. Il y a eu pas mal de monde. Et bizarrement, le point commun entre tous ces joueurs, c'est pas parce qu'ils ont fait parler d'eux récemment, quoi que ce soit, c'est tout simplement parce qu'ils ont le plus d'abonnés sur YouTube dans les joueurs compétition. Dans les joueurs compétitifs. Et du coup, clairement, je vous cache pas, ça hein, me dire vous devez prendre ça, vous devez prendre ci. J'ai même eu du Rambo pour vous dire. J'ai même eu du Rambo. Oui, il est plus chez NV, vous devriez le prendre. Enfin bref, il y a pas mal de commentaires, je vais pas les mettre dans la vidéo pour descendre ce qu'on dit ça, mais je rigole. Après, quand je vous dis je rigole, c'est pas méchant non plus, parce que c'est vous le dites ça plutôt côté innocent, plutôt moi j'aimerais bien voir ça, etc. Mais il y en a vraiment qui disent ouais, pour moi, Agony c'est une mauvaise idée, voilà, ce qu'il vous faut c'est vraiment un gros slayer, machin. Comme si le mec il connaissait vraiment le niveau de tous les joueurs compétitifs. Nous, je vous cache pas, quand je vous dis ça, c'est que tous ces joueurs, moi, Diablo, Agony, Azox, etc., je les connais depuis Code 4. Et je sais ce qu'il nous faut maintenant, etc. Et voilà, c'est pour ça qu'on se précipite pas, qu'on essaie de faire beaucoup de tests. Agony, pour vous dire, je vais vous dire, parce que pour l'instant on a testé qu'Agony depuis Nice and Delog. Je vous cache pas qu'il a une meilleure vision de jeu que nous trois. Et ça m'a étonné parce que je me suis dit Agony il a arrêté la compétition un moment, là il revient, etc. Je me suis dit bah Agony il va pas voilà, avoir son niveau d'avant. Et au final c'est lui qui nous a fait un jeu, etc. Après les scrims on va en partie perso, etc. Il dit toutes les poses qu'il faut prendre, des bons rushs, des bonnes spots, etc. Pour vous dire, c'est lui qui apprend à Broken à jouer. Enfin, c'est quoi à dire, mais voilà, on a beaucoup de retard, Agony lui n'en a aucun. Il nous apporte vraiment un gros plus par rapport à ça. Après, beaucoup se fient encore au scoreboard. Je crois que je vais faire une vidéo sur les scoreboards parce que c'est vraiment affligeant de voir certains trucs. Oui, il fait pas des 40 bombes à chaque map. Je pense que vous avez besoin de quelqu'un d'autre. C'est pas ce qu'on recherche. C'est pas quelqu'un qui fera des 40 bombes à chaque map. Il y a des kills inutiles, il y a des kills utiles, il y a des positions, il y a des rôles chiants. D'ailleurs, un autre truc aussi par rapport à ça, c'est que en 3 jours, enfin le premier jour par exemple, on a joué TCM et bah du coup, je vous cache pas, on s'est fait exploser.
Mais voilà, donc du coup on essaye un joueur, etc. Ils étaient full line-up. Et les gens nous disent encore ouais, regardez, vous n'avez pas à battre TCM, etc. Vous avancerez jamais. C'était le premier jour qu'on joue ensemble. Donc là vous allez me dire, ouais, mais toi et Broken et Reskin, ça fait un moment que vous êtes ensemble, vous devez avoir votre trio, etc. Sauf que faut se dire un truc, les potes, c'est que Tomé, son rôle c'est Slayer. Et là, du coup, en arrivant, moi je reprends mon rôle en quelque sorte, enfin depuis qu'il est parti, donc du coup je slay. Du coup je slay, Agony joue le rôle que je jouais avant, donc objectif player secondaire on va dire. Principal, ça dépend les cartes. Et voilà, du coup c'est totalement des... C'est, en plus du nouveau joueur, c'est des nouveaux automatismes total à prendre. Et voilà, au final c'est comme si on avait limite un nouveau T4. Enfin, j'abuse un peu parce que forcément on se connaît, etc. Même Agony on le connaît d'avant et tout. Forcément il y a des... Il y a des bases qui sont déjà là et ça se voit parce que du coup on arrive à battre pas mal d'équipes aussi. Après oui, pour l'instant on bat pas du Epsilon, on bat pas du TCM, mais les équipes bonnes on les bat. C'est ça que je veux dire par là. Et il y en a beaucoup justement des aussi, ce que j'aime bien dire, des pires menaces du machin qui connaissent toutes les teams. Et la dernière fois on jouait le site 2, c'est-à-dire des gros GB Warriors qui étaient en 100 victoires, 4 défaites sur Game Battle en Roche Destruction. Et les mecs après on gagne et tout, donc on est content parce que le dernier mode c'est la Roche Destruction, on arrive à les battre alors qu'on a jamais joué ensemble en Roche Destruction. On les bat et tout, donc on est hyper content pour être honnête. Et là le mec, il y en a plein dans le chat, ouais vous réussissez pas, vous battez juste des randoms. Les mecs sont en 104, sont site 2 du tournoi, c'est-à-dire que même Epsilon était site 3. Et normal qu'on soit content de les battre, enfin je sais pas. En fait le truc c'est qu'il y a vraiment des gens qui sont un peu toxiques par rapport à ça. Et ça me fait rire aussi, enfin des fois je peux être énervé par rapport à ça. Parce que voilà, c'est, je vois tellement des âneries que c'est, pas que ça m'écœure mais que... Mais des fois il y a des âneries, voilà, que les gars faut pas forcément dire. Et oh, mon allié au-dessus. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire par rapport à ça. Donc vous inquiétez pas, on fera vraiment le maximum pour prendre le joueur qui nous correspond. On se précipite pas comme j'ai dit, pour l'instant Agony il est pas annoncé chez nous et pour l'instant il est en phase de test, il le sait très bien et il l'assume. Mais voilà, en tout cas il nous apporte énormément au niveau vision de jeu. Et je pense que si vous êtes, vous connaissez un peu la compétition et que vous regardez les streams, bah ça se voit. Lui par contre là il s'est retourné super vite. J'aurais dû limite commencer par lui à tirer. Drone ennemi au-dessus. Lancement du colis stratégique. Il est où ? Ouais. J'ai envie de gagner la partie parce que là du coup ils ont gagné le MMA juste avant. J'ai pas envie de rester sur une défaite. Donc on va se focus un peu aussi quand même. Hop, on enchaîne, nous on rigole pas nous. Oh, c'est un bâtard aussi de jouer avec fantôme. Dit-il en ayant... Je crois que j'ai fantôme. Ouais, j'ai fantôme sur ma classe. Hop, let's go. The Punchman on m'appelle. Donc voilà, en tout cas il y a, entre le premier jour qu'on a commencé ensemble et hier, il y a une nette progression. Je pense que ça se voit pas mal sur les streams. Pour ceux qui savent pas, je stream pratiquement tous les soirs depuis que j'ai récupéré mon stuff sur teamvitality.fr comme d'hab, hein, même bien, etc. Je pense qu'Agony, s'il est annoncé chez nous, il streamera aussi, enfin notre quatrième joueur. J'ai Agony parce que je sais qu'il a une connexion pour stream maintenant. Si jamais on le prend, je pense que d'ici le prochain Sunday Log, on aura pris une décision. Il n'y a pas forcément d'autres joueurs qui se sont manifestés pour l'instant. En Diablo, perso, moi, il m'a pas parlé de quoi que ce soit. Donc, je sais pas si ce qu'il fait, je sais pas s'il travaille, je sais pas s'il continue la compète, j'en sais rien du tout. Moi, je sais qu'Agony était motivé, et puis voilà, ça se voit. Oh là là. Là, je pense que je vais me prendre un spawn foiré, non? Tu l'as tué là-bas? On va te faire confiance, on va dire que tu l'as tué, hein. Ok. Bref, je vous ai parlé du code champ, je vous ai parlé de ça, parce que ouais, ces commentaires me font rire. Et ça m'a un peu déçu, parce que... Enfin, un peu déçu par rapport... Parce qu'en fait, au lieu d'avoir des questions, ce que j'ai eu, c'est plutôt des côtés... bah, des faits, des c'était même pas des suggestions, parce que la plupart, c'était des affirmations. Genre, vous devriez prendre machin. Enfin, non, parce que là, ça avait plus côté supposition. Non, il y a beaucoup de commentaires du genre, surtout dans le chat. Vous êtes contre prendre ça, vous devriez prendre ça. Enfin, non, pourquoi je continue avec le vous devriez? Il n'y a pas de vous devriez. Vous êtes contre prendre lui, vous devez prendre ça, voilà, c'est plus ça. Par exemple, vous êtes contre prendre Agony, vous devez prendre Diablo de Temple. Un truc comme ça, et ouais, ça me fait rire parce que pour le coup, c'est. Quand je dis ça me fait rire, ça me fait rire amicalement, hein, mais c'est pas dans le sens où je me fous grandement de votre gueule ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que ça me fait rire dans le sens où pour moi, enfin, la plupart ne connaissent pas par rapport à ça. Par exemple,
là tout de suite maintenant, il y a Carnage qui vient me dire ouais, je pense que vous devriez faire ça à la place de ça. Bah lui oui, forcément je vais l'écouter, on va discuter, on va débattre par rapport à ça, parce que lui il connaît tous les joueurs depuis Code 4 lui aussi et il sait de quoi il parle. Mais il y a encore un peu moins que nous, dans le sens où nous on joue avec ces mêmes personnes et lui regarde. Est-ce que je veux dire, mais déjà lui il aura un avis beaucoup plus structuré et professionnel que ce qu'on peut voir dans les chats ou dans les commentaires. Bref, et moi je m'attendais, comme j'ai dit, à recevoir plus de questions sur Tomé, sur... Donc au final, c'est que j'ai dû être clair sur ma vidéo, alors dans ce cas-là, si vraiment vous avez pas de questions par rapport à ça... Merde. Let's go, j'ai eu les deux. Hop. On est là, t'as vu. Tout radical, let's go. Merde. Est-ce qu'il m'a vu ? Non, il m'a pas vu. GG, Gotha, ça. Shoot radical. Hop, là, on va le dasher. On va le niquer. Ok, on va pas le niquer du tout. Oh, lui, il arrive avec son pompe, il a pas rigolé. Il ne touche pas à Gotha ! T'entends ? Wow ! Alors là, c'était un guet-apens. Il a d'une force. Est-ce qu'il tirait sur moi au début ? Ah, oh, noscope en plus ! Ah, très bien. Excuse-nous, monsieur, t'es trop pro pour nous, là, pour le coup, là. Là t'es trop pro. Le mec il nous respecte même pas, il est là en train de tirer en os. Putain, j'en ai marre là de me faire tuer. On sécurise Alpha. Attendez, je me concentre juste pour prendre le A. Je sais pas par où ça va arriver. Par là, voilà. Ah bah y'en a un autre, mais putain. Bon voilà. Moi je suis un objectif player, les gars. Bref, par contre, oui, j'ai reçu des trucs encore dans la catégorie Pierre Ménès, du genre... attends, je crois que je l'ai noté, celui-là. Attendez, je crois que je l'ai noté. Bon, en tout cas, j'étais sur la page, ouais. Faites ce que vous voulez, mais ça m'énerve, cette île n'est jamais stable. Alors, je voulais vous en parler vite fait, parce que quand je me dis ça, j'avoue que ça me fait un peu chier. Alors, surtout que je trouve ça vraiment faux, dans le sens où... On est... Je vous dis honnêtement, hein, on est l'équipe de bon niveau, la plus stable d'Europe. Même du monde. Non, peut-être pas du monde, parce que je connais pas toutes les équipes très très bonnes. Mais pour moi, on est l'équipe la plus stable, ou en tout cas une des équipes les plus stables d'Europe et du monde largement. Dans le sens où, depuis qu'on a créé Vitality, donc il y a 2 ans, même si on peut commencer à partir de AA, si vous voulez. Vas-y, on va commencer au début de AA, donc plus de 2 ans largement. Azox, Broken, Agony, moi et Neo. Donc le trio Neo, Gotaga, Broken, il a pas bougé, il n'y a pas eu de séparation, il n'y a pas eu de petit divorce ou de petite engueulade du moment. Par exemple, si tu compares un headshot et un Skump, par exemple, Skump, pendant un moment, il s'est barré d'Optic pour, il devait avoir ses règles, j'en sais rien. Mais voilà, même eux, ils ont eu des petites séparations. Reskin, il est rentré, je crois, vers mars ou un truc comme ça, chez Vitality. Enfin bref, ça fait un an qu'il est chez nous, donc depuis un an on va avoir un trio qui n'a pas bougé. Et oui, c'est vrai qu'après, par rapport aux derniers joueurs, ça change beaucoup. Sauf que comparé à toutes les équipes, n'importe lesquelles, TCM, Epsilon, Léoptique, il change tous les 2 mois de joueurs, tout le monde, que ce soit à l'échelle américaine ou européenne, vous allez voir que c'est 10 fois pire que nous. Mais quand je vous dis 10 fois pire, si encore, je suis hyper gentil, hein, parce qu'il y a d'autres équipes, ça se compte même pas, c'est des... Ils changent tout le temps de joueurs, et oui, nous, je trouve qu'on a un truc solide, on a une base solide. La structure Vitality, c'est pas un moulin. Si vous comptez en plus de 2 ans, même en comptant depuis AA en tout, depuis AA, hein, il n'y a eu que 10 joueurs en tout qui sont passés chez Vitality, en comptant tout le monde, en comptant même le deuxième roster. C'est-à-dire Getsum, Agony, bon, je compte pas Deluxe parce qu'il a jamais été dans Vitality, même si vous comptez Deluxe, au pire, il y en a 11. Mais je crois que c'est ça, il y en a 10. Hein. Comptez tous les joueurs, Madcat, Tomé, tout ce que vous voulez. On a eu 2 rosters pourtant, 2 rosters. En même temps, donc déjà ça fait 8 rosters, enfin ça fait 8 joueurs dans une équipe, et en tout il n'y a eu que 10 joueurs qui sont entrés chez Vitality, que 10 joueurs. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est peu 10 joueurs dans une structure. Comparé avec n'importe qui, un Millennium, tout ce que vous voulez, 10 joueurs c'est que dalle. Dans une structure qui a plus de 2 ans, enfin limite 3 ans avec si on compte AA, parce que je peux compter à partir d'AA avec Azox, etc. Ça va faire 3 ans qu'on est sur un même trio, si on compte Neo, un même... Même Quator, je pense que ça se dit. Quator, non? C'est un truc dans le genre. Donc ouais, pour moi, on est une des plus stables qui existent. Après, oui, c'est vrai qu'on n'arrive pas à trouver un 4ème joueur qui nous correspond. Donc peut-être que c'est... Voilà, moi, je me remets souvent en question. Et c'est sûrement le trio, notre trio qui a un problème. Au moins, notre trio, nous, il marche. Notre trio avec Reskin, Broken et moi, il marche, il est ensemble, il est soudé. Et il le restera. Imaginons qu'on reprenne Agony. Dites-vous qu'on aura 4 des 5 personnes qui ont créé Vitality, qui était au début de A. C'est-à-dire Agony, Neo,
Broken et moi, et la dernière serait Reskin qui est quelqu'un d'hyper stable, etc. Donc, ah, c'est limite comme s'il était dans le truc. Donc ça ferait 4 sur 5 des créateurs de Vitality qui sont aujourd'hui créés à un niveau... ensemble. Enfin, ça, pour moi, ça serait un truc de ouf. Hein. Je sais pas, mais quand je vois ce genre de commentaires, oui, c'est clair que... pas que ça m'attriste, mais... je me dis, mais réveillez-vous très vite, parce que si nous, on n'est pas stable, alors qu'est-ce que l'esport en général? Et encore, je parle de code, mais... les équipes League of Legends ou autres, c'est 10 fois pire, les gars. C'est 10 fois pire. Et c'est vrai que bah, quand je vois ça, ça m'étonne un peu. Après, si vous voulez, on refera une vidéo pour en parler plus longuement sur un commentaire, etc. Parce que j'étais en train de jouer, donc j'étais pas forcément concentré. Mais réfléchissez un peu sur ça. Comparez avec n'importe quelle équipe. Donc peut-être qu'il y aura des casse-couilles qui me diront: mais non, regarde cette équipe, Jean-Claude Machin, ça fait je sais pas combien de temps qu'ils sont ensemble. Et il y aura peut-être une que j'oublie sur le moment, etc. Mais sinon, prenez 95% des équipes. 95% des équipes sont moins stables que nous. Et je parle 95 équipes de bon niveau dans le monde. Voilà, c'est-à-dire ayant déjà au moins gagné une LAN, enfin, au moins déjà fait un podium en LAN. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Donc ça en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc j'espère que vous avez aimé ce soundalog. Je vous ai parlé surtout du coach champ, etc. J'espère que vous prendrez pas trop. Oh, pouce rouge, t'as dit que mon commentaire pour Azog c'était nul. Non, mais voilà, c'était juste une image que je tenais à vous dire. Parce que quand je reçois plein de faits, vous allez voir dans mon soundalog. Tous les commentaires sont ça. Vous devez prendre ça à la place de ça. Il y en a qui supposent, bien entendu, vous devriez, etc., prendre celui-là, etc. Mais. Vous n'êtes pas nous, vous pouvez pas savoir notre place, surtout ceux qui font très peu de compétitions, etc. Et qui se fient qu'au nom d'abonnés ou qu'au... Oh, un jour j'ai vu un live où vous étiez avec Azog, Agony, toi et Broken, et c'était vraiment fun, et je pense que vous devriez refaire ça, etc. Non. Voilà, c'est pas... malheureusement, vous n'avez pas les mêmes cartes en main que nous pour décider de ça. Vous savez pas tout, vous connaissez pas les mentalités de chacun dans une équipe. Vous voyez pour la plupart ce qui se passe en stream, etc. Ou vous voyez ce que les gens vous disent sur Twitter. La plupart maintenant, on utilise... Enfin... Non, je vais rien dire par rapport à ça, je vais me taire plutôt. Mais bref, tout ce que je voulais vous dire, je l'ai dit, je pense, dans son log. Je pense que dans le prochain son log, on aura décidé ou si c'est pas dans celui-là. Bah, de toute façon, on prendra notre temps. Si c'est dans 2 mois, bah, ça sera dans 2 mois, tout simplement. Bon, c'est un peu con parce qu'il y a le code champ. Mais voilà, on va prendre bien notre temps pour décider. Et j'espère que vous aimerez quand même si on fait pas par rapport à la communauté, même si vous préférez un tel ou un tel, nous on fera ce qu'on a besoin pour nous, tout simplement. Sur ce, je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, et si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime, tout simplement. Voilà, tous ces gens.